Jérôme de Brondeau qui nous présente, on marche, on fait un aller-retour au pas, nous présente une pouliche de network. Attention les yeux, une pouliche de network par La Fée d'Artel et même par Ragmar. La Fée d'Artel qui compte une victoire en plat à Compiègne. La famille de Olga d'Artel et Aurel d'Artel, plus anciennement de Sédition et Coudel, une touche qui a été remise au goût du jour par le comte Guillaume de Brondeau, qui habite dans son château d'Artel, et donc il donne tous les noms Artel à sa production. Voici donc la fille de Network. Très sage, très calme, très sereine, très posée. Sur le ring numéro 2. Alors, son frère, Crésus d'Artel, porte bien son nom, le Network, son propre frère, donc, à 2 ans. Il a été vendu 65. Donc voilà, Secret Singer qui a été retrouvé au fin fond des entrailles de la Terre, dans une vallée profonde et obscure, des lointaines montagnes des Alpes, par Jacques Cyprès et compagnie, et qui est revenu alors qu'il n'était que plus que le fantôme de lui-même. Mais au bon soin de Philippe Thierrier du Haras de Cercy, il a retrouvé goût à la vie, il a retrouvé la vie tout court, et maintenant il a retrouvé une véritable carrière d'étalon. Alors qu'elle a failli, sa carrière de talon a failli se briser ou s'éteindre tel un mégot dans une panne de Guinness.